Bien, les amis, je vais déjà commencer ici en ajoutant un œuf dans une tasse de fécule de maïs. Je vais également ajouter une tasse de lait et une pincée de sel. À l'aide du fouet, ici, nous allons bien battre jusqu'à ce que cela forme une pâte. Voilà, c'est très facile, très rapide, avec peu d'ingrédients. Alors, les amis, c'est le but, c'est très liquide. Maintenant, nous allons l'amener ici. Je vais ajouter un peu de beurre, de margarine, ce que vous voulez, ou ce que vous avez à la maison. Passons-le ici. Il ne faut pas en mettre trop, juste pour couvrir le fond et le côté. Ensuite, avec la louche, je vais prendre un peu du mélange que nous avons battu et nous allons l'ajouter à la casserole. Ajoutez-en un peu plus pour qu'il ne soit pas trop fin. Et maintenant, nous allons laisser cette pâte cuire et atteindre le stade de la crêpe. Et on va tourner. Les amis, elle est déjà sèche. Nous allons maintenant utiliser la spatule. Nous allons retourner. Regardez à quoi ça ressemble. Très fin. Si vous voulez qu'il soit plus doré, il n'y a pas de problème. Donc, les amis, je suis là. Oh, l'autre côté est déjà très doré. Maintenant, je vais la sortir. Je vais la mettre ici sur l'assiette, d'accord, et je vais faire avec le reste de la pâte qui est restée. Donc les amis, ici, j'ai déjà fini avec toute la pâte. J'ai fait une farce à la viande, bœuf haché, juste les assaisonnements de base. Mais si vous voulez ajouter du poulet, une autre saveur, du jambon et du fromage, c'est aussi très savoureux. Et nous allons l'enrouler. Voilà comment sera la crêpe. Ok, ici j'ai déjà roulé la dernière, les amis. Maintenant, je vais ajouter de la sauce tomate sur les crêpes. Nous allons en mettre beaucoup. Les amis, ces crêpes ici, faciles et rapides, c'est délicieux. Sans compter qu'il y a très peu d'ingrédients, n'est-ce pas, dans la pâte. Maintenant, je vais mettre ici du fromage mozzarella. Je vais en mettre deux tranches et ajouter de l'origan sur le dessus. Et nous allons passer le tout au micro-ondes jusqu'à ce que le fromage fonde. Alors les amis, ici, le fromage a déjà fondu. Maintenant, je vais en prendre un ici. Je vais le mettre ici sur l'assiette. Et nous allons prendre un morceau ici pour déguster.